Charlotte, qu'est-ce que le docteur a dit? Maman, elle a dit que je dois manger des plats sains et légers. Elle m'a conseillé de manger plus de fruits et légumes verts. Et quels médicaments a-t-elle prescrit? Elle m'a donné ce médicament. Un sirop pour la toux, des gouttes et des comprimés d'aspirine. Je dois le prendre 3 fois par jour. Alors, avant de prendre le médicament, j'apporte quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger? De la pomme ou des oranges? Maman, je voudrais manger une pomme et j'ai besoin d'un verre d'eau. Bien, je reviens dans un instant. Ok maman, je vais dans ma chambre. D'accord. Oui, allô. Bonjour madame. Je voudrais parler à Nathalie. Est-ce qu'elle est là? S'il vous plaît. Qui est à l'appareil? C'est Charlotte, à l'appareil. Je suis désolée. Nathalie n'est pas là. Elle est allée chez son oncle. Est-ce que je peux prendre un message? Oui, je suis son amie de l'école. Est-ce que Nathalie peut me rappeler sur mon portable? Est-ce qu'elle a votre numéro? Oui, oui, elle a. D'accord, je lui dirai. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Charlotte, voici une pomme et un verre d'eau. Merci, maman. Je vais prendre le médicament et ensuite, je dormirai. D'accord, ma chère. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Allô? Salut Charlotte. C'est Nathalie. Tu m'as téléphoné hier, mais je n'étais pas là. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Mais comment vas-tu? Je vais bien. Mais qu'est-il arrivé à ta santé? Je suis malade, j'ai mal à la tête, à la gorge et je tousse beaucoup. Oh mon Dieu! Tu dois faire attention à tes habitudes alimentaires. Tu dois boire beaucoup d'eau. Oui, tu as raison. Et hier, je t'ai téléphoné pour te dire que je ne peux pas aller au lycée. Est-ce que tu peux venir chez moi aujourd'hui pour m'expliquer les exercices de maths? Et tu me donnes les devoirs à faire? Oui, bien sûr, je viendrai chez toi vers 18h30. Pour t'expliquer les exercices de maths. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, très bientôt. Merci beaucoup. De rien, au revoir.
Au revoir. Salut Charlotte. Salut Nathalie. Alors, comment te sens-tu maintenant? Je me sens beaucoup mieux qu'avant. C'est génial. Mais, il me semble que tu es très insouciante sur ta santé. Peut-être que tu ne fais pas d'exercice physique régulièrement. Oui, tu as absolument raison. Mais, tu sais très bien que l'exercice physique est très important pour rester en bonne santé. Oui, tu as raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Si tu ne fais pas d'exercice physique régulièrement, tu ne peux pas rester en forme. Il me semble que tu as tout à fait raison. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Tu dois faire de l'exercice physique régulièrement. En dehors de cela, tu dois avoir une alimentation équilibrée pour rester en forme. Dis-moi en détail, s'il te plaît. Une alimentation équilibrée signifie prendre régulièrement des aliments contenant tous les ingrédients nécessaires à la santé dans de bonnes proportions. Faire de l'exercice physique et avoir une alimentation équilibrée régulièrement est très important pour une bonne santé. Exactement. J'espère que tu suivras les deux règles pour rester en forme. Oui, absolument. À partir de maintenant, je mangerai des aliments sains et je ferai de l'exercice tous les jours. Viens chez moi demain, tôt le matin, et je te dirai comment le faire. Merci de m'avoir invité et de m'avoir conseillé, Nathalie. Tu es très gentille et intelligente. Merci beaucoup. De rien.